On est à Saint-Jacques, puis finalement, le garage a changé d'allure pas mal. Je pense que ça rentre un petit peu avec la caserne. On a fait la réfection de la caserne. Maintenant, c'est le garage. Et puis, le garage, ça voulait dédier surtout à tout ce qui est la culture et les loisirs. Donc, le citoyen peut venir ici, hein, tout ce qui concerne les loisirs, la culture, pour venir faire les inscriptions. Et on conserve tout ce qui est la taxation au niveau de la municipalité à la mairie. Fait que, donc, le citoyen va avoir maintenant deux endroits pour venir nous rencontrer. Il y a eu des gros changements. Toute la partie avant, maintenant, est rendue une partie administrative. Donc, avant, c'était vraiment uniquement un garage ou est-ce que c'était uniquement dédié à la voirie. Là, maintenant, la partie arrière demeure pour la voirie. On a les camions qui sont là, l'inspecteur municipal est là, mais la partie avant est maintenant toute rénovée en bureau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, on invitait les gens à venir nous voir, venir visiter. C'est ouvert de toute manière toute la semaine. Ils vont pouvoir venir sans être des portes ouvertes. Ils sont toujours les bienvenus. Bravo, ça change le village. Oui, oui, ça fait un bel accueil, en effet, comme quand on arrive dans le village. Alors, c'est ce qu'on veut. On est fiers de notre village. On veut un village qui est beau. Je pense qu'on est là pour ça, justement. L'équipe, moi, comme mairesse, nos élus sont là aussi. On veut quelque chose qui nous représente, quelque chose qui est beau, qui rende fiers les citoyens. Alors, bien, ça vous appartient. Venez le visiter.